Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Stardew Valley. J'espère que vous allez bien. Mais elle est où ma femme? Elle est pas là. Alors on va essayer de... Bon, on verra ce qui se passe là, mais de toute façon je crois qu'il y a... Bah, elle est partie, hein, mais c'est un truc de ouf. Ah, elle est là. J'ai passé la matinée à réparer les clôtures, elles sont comme neuves. Merci. Et merci beaucoup. Mais ouais, merci. Le petit bisou qui passe crème. Bon bah on va ramasser. Il me restait du fromage. C'est vrai que j'ai complètement oublié le fromage. On a les géodes aussi. Allez voir. Donc je pense qu'on va aller voir ça. Je sais pas si on va faire la mine tout de suite. Mais c'est dans mes projets futurs. Là, si on peut faire toute la mine. Je te jure, hein, si on peut faire toute la mine tranquille. Moi ça me va. Donc là on va utiliser sur les réserves là. Alors moi c'est du grand lait qu'il me faudra pour boucler un truc du centre communautaire. Bon en tout cas je suis content parce qu'on avance quand même mine de rien. On va pas se le cacher. Bon il a encore de l'eau lui. Et plus la bouteille de vin qui est à venir. Non on avance pas mal. Bah c'est tout doucement pour une première année. Voilà quoi. Je veux dire. Je pense que je sais pas c'est quoi là vraiment la... Ce que les gens font en fait en priorité, je sais pas si vous vous concentrez ceux qui jouent sur l'élevage ou quoi, la ferme, je sais pas, moi je fais un peu de tout en fait. Bah, j'essaye que mes épisodes soient un petit peu différents les uns des autres, même si beaucoup vont se ressembler, hein. De toute façon il n'y a pas trop le choix. Mais voilà quoi. En tout cas moi j'essaye bah, de me diversifier là et de toucher un peu à tout. Ouais, on va pas se le cacher. Hop. Ah. Ah d'accord, donc eux, c'est pas tous les jours le lait. D'accord. Ils ont fait un truc réaliste aussi là, ou ça se passe comment? Bah écoutez, tant pis. De toute façon, c'est pas grave. Moi, je compte aussi sur leur laine. Dans le futur. Allez, c'est parti. Alors là, on a les cocos à mettre dedans. Et le lait évidemment. Quoique je vais garder un. Je vais garder un lait comme ça parce que. Ah je sais pas en fait. Si vous préférez, il y a l'anniversaire de l'autre bientôt qui va arriver. Bon, rien ne m'empêche de le mettre en fromage, quoi. Puis je verrai, j'aviserai après. Donc là, je vais voir si j'ai pas d'autres géodes à ouvrir. C'est quoi déjà que ça m'a... Ouf, il me faudrait du fer. C'est combien déjà? 5 fer? Ouais, mais il me faut 10 000 pièces d'or, je crois, une connerie comme ça. J'ai pas envie de payer une 10 000 pièces d'or. J'ai plus de fer. Ah si, j'ai 74 minerais de fer. J'allais dire, là, tu te fous de ma gueule, mon coco. Donc là, on a des choses pour mettre. D'accord. En garde, moussaillon. Ouais, bah écoutez, je vais me faire un peu de... De la fonte. Ah, mais c'est vrai. J'oublie toujours le charbon. Hop, là normalement ça devrait fonctionner. Comme ça on en a 4 qui vont cuire. En attendant, je remets ça. Et hop, je vais aller voir le... Bah Clint le forgeron pour justement ouvrir mes géodes, les deux géodes. Et après je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être aller sur la plage. C'est quoi, patrouille des caisses? 5. Ouais bah oui, j'ai essayé d'en buter plus, mais voilà quoi, j'y arrive pas. Les chauves-souris. T'es comique toi. Ouais, c'est l'anniversaire de machin. Je commence à manquer de viande rouge. Si quelqu'un pouvait m'apporter. Bah de la viande rouge, j'en ai pas. Ça c'est ballot. Mais en tout cas, ouais, pour en revenir à ce jeu, c'est un excellent jeu. Hein. Franchement, si vous hésitez à l'acheter ou vous voulez pas l'acheter, ou enfin voilà, vous êtes vraiment mitigé, moi je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Ouais, transformez mes géodes, s'il te plaît. Je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon jeu. C'est quoi ça? Du marbre. Est-ce qu'il faut que je l'apporte à Babar? Ouais.
Faire un don au musée. Le marbre, bah, je sais plus où le placer. Alors je vais le placer ici. Nouvelle récompense, ah bah tiens, comme ça c'est bon. Pierre chantante, elle produit un son pur quand elle est frappée. Oh, stylé ça. Non, c'est stylé, franchement. Allez, on va aller à la mine. C'est bon, j'ai pris ma décision. Si on peut descendre, avoir le quartz rouge aussi, ce serait vraiment pas mal. On va essayer d'économiser pas mal aussi en termes de sioux. Et puis, en tout cas, ouais, très content pour les vêtements aussi. Putain, c'est du bon ça. C'est du bon. En fait, vous voyez, des petits jeux comme ça, comme Stardew Valley ou Project Hospital, c'est des jeux franchement faits par un développeur, voire deux, vraiment une petite équipe. C'est vraiment indépendant, tu sais. Et ça marche, ça fait leur succès. Ils font pas comme tous ces triple A à la noix de coco, te promettent des choses et tout, et puis finalement, t'es déçu, ou voilà, ils veulent juste t'en mettre plein les mirettes. Alors que là, c'est vraiment poussé le jeu, tu vois, le jeu il est poussé. Donc j'ai mes chaussures rouges. Et c'est quoi? Bah non, on va pas pêcher ça. Mais. C'est quoi les trucs rouges? Attendez, ça déjà on va le péter, hop. La pierre, ok. Donc en rouge comme ça, pierre. Oh, attendez, ça c'est quoi ça? Oh, du minerai d'or, on a atteint les minerais d'or. Ah oh, bah ça c'est juste géantissime. Regardez-moi tous ces minerais d'or là. Ah, il n'y a pas à dire, je pense que dans un premier temps j'aurais dû faire ça quoi. Full mine en fait. En gros, tu formes la mine comme un port et puis après comme ça tu as tous les minerais. Nécessaire. Ah ouais. Par contre, je voudrais c'est. Bah c'est. Ah. Je regarde s'il n'y a pas du mine raider. Ah déjà, il y en a une chauve-souris. Oh, une Batman rouge, du quartz rouge, voilà. Putain, je perds mes mots hein, dans cet épisode, c'est un direct. Oh, ça m'arrive souvent, vous allez me dire. Oh, 10. Vous avez vu comment ça fait bobo là, la chauve-souris? Peut-être que. Peut-être qu'il faudrait que j'aille à la guilde en fait. Peut-être que la guilde, ils ont des fournitures contre la chaleur, tout ça. Attends, je croirais dans Zelda. Alors d'ailleurs, je pense que je vais le mois prochain. C'est quoi ce Zoulou là qui s'approche de moi là? Ah, il fait bon, il fait mal hein? Je vais perdre ma vie. Ma santé. Est-ce que j'ai un truc à manger en plus? Oh, vas-y, on va manger un œuf de canard. Ouf. Mais ça fait trop mal! On va essayer d'atteindre en rapidos, in for use, le niveau 85, tu vois. Putain, pas de bois. Oh, un coffre. Charbon. Oh, j'aurais peut-être pas dû venir. Ah, putain, ça fait bobo. Ça fait bobo, les amis. Concentré. Je suis concentré. Ah! Oh putain, mais je frappe de la pierre! J'ai vu la chauve-souris. Oh, c'est trop chaud. On se casse. C'est trop chaud. Oh, quittez la mine. Oh là 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 là. Eh, je suis pas préparé là. Oh purée. Oh, je suis dans la douleur la plus totale là. Je pisse le sang.
Vas-y, t'as. Est-ce que tu as des trucs en vente? Botte marche-feu, ouais. Botte noire, bague améthyste, topaz. Bague rubis, augmente l'attaque de 10%, lance-pierre. Bague rubis, bague émeraude. Ouais, mais ça, on s'en fiche, putain, c'est pas le truc qu'on voulait, quoi. 9, 17, 14, 15. Peut-être qu'il faut que j'achète un maillot en bois, quoi. Oh non, il y a une clé mort. Peut-être que la clé mort, ça. L'âme des Templiers! Je perds en vitesse, mais je gagne en. Niveau 5 épée. Je suis niveau combien, moi, déjà? Ah, je suis que niveau 4. Enfin, je sais pas, on reviendra plus tard. Alors, en fait, là, il faut que je... J'augmente ma santé et tout, en fait. Il faut que je trouve comment pouvoir augmenter ma santé. Oh, il y avait une bête dedans. C'est un lapin. Ouais, faut que je trouve une solution. Si vous avez la solution, merci de m'aiguiller. Sinon, j'irai chercher sur le net, hein, y a pas de souci. Mais là, j'avoue que c'est tendu. C'est tendu de la mort qui pisse parce que là, waouh, j'ai rencontré mes maîtres. Putain, entre le petit truc là en fer, là. Ah, il faut que j'achète une épée, je pense, hein, mais. On va attendre un petit peu pour y retourner. En tout cas, on a eu du minerai. On a eu 13 fragments de minerai d'or. Du coup, je vais pouvoir me faire des armes, enfin des outils en or. Parce qu'il est vrai que j'ai encore des outils en argent. Et je pense que je vais faire ma pioche. Dans un premier temps. Bah, tu me diras, c'est peut-être pour ça que je gagne plus d'XP en tuant les monstres. Hein, parce qu'en fait, ils sont devenus trop, enfin, trop faibles pour moi, les premiers. Et là, bah, je retombe sur des badass, quoi, putain. Ah ouais, la chauve-souris, là, elle m'a mis mal. Hein. J'ai dû prendre deux cocos pour me sauver. Je ne l'aurais pas fait, je serais mort direct. Ah bah là, je. Pompon cucu, quoi. Paf. Ah purée. Oh bah ça va être chaud là. En garde, moussaillon. Je suis en train de faire en garde. Ouais, ce que je peux faire là, c'est de charbon. Ouais, fan, punaise. Ce que je voudrais, c'est ça. Ouais, de toute façon, là, je peux plus faire autrement. Il a encore à boire mon chien parce que t'as le. Ouais, ça va, ça reste. Il a pas trop soif là, on dirait. En minerai d'or, tout. En truc de cuivre, de toute façon, j'en avais plus. Donc j'ai que celui-là. Sans ça, j'ai dit que je gardais. L'argile, l'améthyste, ouais. Ça, je peux remettre dedans. On en a 4. Pas mal, pas mal. Les pierres, je vais remettre dedans. Ça, je vais vendre de toute façon. Ça, on vend. Ça, on vend. Ça. Ouais, de toute façon, on a encore le temps pour le 25. Et. C'est vrai que ça fait un son bizarre. Jupe ou pantalon demain? Oh, je rigole, je porte toujours des jupes. Bon, moi, mon perso, là, il va aller au lit. Un suppôt et au lit. Oh, purée. Oh, ça fait bobo. Ah, j'ai même pas monté ma compétence, hein, tellement que c'est pourri. Couvrez-vous mes amis, il neige demain. D'accord, bah, j'aime bien moi quand il neige, alors je m'en tape. Bonjour Oron, je t'ai préparé un petit déjeuner bien chaud. Ah merde!
Elle m'a donné. Ah, ça c'est trop marrant. Elle m'a donné en fait l'omelette, mais moi je lui ai redonné par erreur. Comment vas-tu? J'espère que le verre n'a pas été trop dur. Bref, j'ai écrit pour demander du bois dur. J'ai besoin d'environ 10 morceaux si tu les as. Ok, bon, on va lui donner un peu de bois dur de toute façon. Peut-être que j'en ai pas des masses de toute façon. Donc voilà. Ce qu'on va faire, je vais ramasser tout ce qu'il faut dans ma ferme. Là, le chien, il a soif, par contre. Non, je veux pas le kick, mon poulet, là. Dingue, ça. Comme si... Mais non, je veux juste ramasser un coco, là. Oh, bande de chiens. Hop. Voilà, ça on fait toujours les petites routines hein, nécessaires. Donc là actuellement, oui, ce sera un épisode assez long. Enfin, dans la coupe, normalement à peu près 25 minutes par là, voire plus, je sais pas. Voilà, maintenant on va prendre le lait. Et on va prendre le fromage, oui tonton. Bien tonton. Tu prends le fromage à la source. On va voir les chèvres, hein. Peut-être c'est tous les 2 jours ou peut-être une fois par semaine, je sais pas pour eux. J'ai pas lu la notice. C'est bon, c'est tous les 2 jours. Voilà, comme ça on va les mettre à travailler. Et on va aller voir Robbins pour remplir la quête. Mais même en termes de quête, hein, vous avez vu, il y a pas mal de petits trucs. C'est parce que moi je les fais pas forcément parce que bah voilà la flemme quoi. Mais ce que je veux dire, sinon le contenu du game est pas mal, hein. Est vraiment pas mal du tout. Hop, un coco. Hop. On va mettre. Après j'aurais pu y aller avec mes fromages aussi. Voilà. Alors les lingots d'or, on va les ranger. Et voilà. Bah, comme ça, on reviendra après. Ça c'est fait, le vin il est toujours pas là. De toute façon, pour l'or, on va économiser les minerais. Après la houe, je crois pas qu'elle se fasse en fait. C'est vrai que c'est un chemin là que j'emprunte très rarement. Je l'utilise hein, mais vraiment très 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 rarement. Alors, en plus, c'est vraiment un petit raccourci pour aller chez Robbins. Alors, le bois dur, il est où? Oh, tu m'as apporté, je sais que je peux toujours compter sur Toron. Ce bois est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin, merci. Voilà. Normalement, quête terminée. 500 PO. Voilà. En plus, comme c'est directement mis dans ma boîte aux lettres, hein, voilà, on va pas chipoter là-dessus. Et on va aider. Mélange de graines, ça, je vais les garder aussi, les mélanges de graines. Ça fait des petits trucs sympas. Alors par contre, je sais plus si ça ouvre dans l'après-midi ou si ça ouvre le matin, la guilde. Ça ouvre à 14 h, c'est bien ça. Et ici, je crois pas que le pont est réparé. Non, il est encore mort. Il est encore mort. Bon, on va essayer de réparer tout ça. De toute façon, une fois que le centre communautaire sera fait, ce sera pas mal. Hein, mais je pense qu'il y a des trucs où c'est chaud. Les PO, ça, bah, c'est parce que là, je les utilise, mais... Je peux très bien les économiser puis remplir le truc pour être tranquille quoi. Alors là je serais bien allé dans la mine mais punaise. J'ai trop pas envie. Ben, vous savez ce qu'on va faire? On va aller au magasin de pierre. On n'est pas mercredi, non, on est dimanche. Normalement c'est ouvert je crois.
Pourquoi? Bah parce que tout simplement, on va voir s'ils vendent pas des choses intéressantes à upgrader sur mon perso. Ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé. Qu'on n'y est pas allé, ouais. Putain, je sais parler, tonton. Alors, bonjour! Est-ce que tu as quoi? Gazon, placé dans votre ferme, place dans votre ferme, sucre, riz, huile, vinaigre, papier peint, revêtement de sol, cerisier. Ah, c'est vrai que... Ah, je me dirais bien que le tueur porte ses vrais. Un pêchier, un grenadier, un pommier. C'est, tu sais quoi, je vais m'acheter un pommier. Pourquoi je vais acheter un pommier? Bah tout simplement parce que j'en ai envie, voilà tout simplement, et qu'il me faudra des pommes pour le centre communautaire. Et du coup, autant bah, miser là-dessus direct. Est-ce que je peux le planter là? Hop, attends, attends, attends. Petits asticots là, minerai de cuivre. Ok. Ça a repoussé tout ça ici. Voilà, lui il est HS. Et je peux partir en fait? Non, il est HS aussi le bus depuis. Faut refaire le centre communautaire. Ça met longtemps par contre le vin là à arriver, je trouve. Et maintenant on va finir sur ça. Mon pommier. Je vais le mettre là. Voilà. Je l'arrose au cas où. Une statue de poulet. Je l'avais déjà eu la statue de poulet. Ah, je l'avais déjà eu. Alors ça je vire, ça je vire, je vire, je vire, je vire. Je vire, je vire, je vire, je vire. Et il me reste 2 œufs à mettre, à placer là-dedans. Allez, on va à la guilde. On va acheter une épée de babouin. Si je peux. En fait, je vais peut-être pêcher sur la santé et l'énergie. Mais si je peux avoir une arme pétée et leur casser la goule aux ennemis, ça ce serait pas mal. Ce serait même très très bien. Non mais regardez-moi ça, il n'y a même pas de temps de chargement quoi en fait au final. Et ça c'est ça qui est plaisant le jeu. Même le début du jeu, hein, il se lance mais tac. Putain quand... Bon après c'est pas le même truc, mais quand tu vois le Watch Dogs Légion là, putain. Je te dis le chargement du début, j'avais le temps d'aller me faire un café, d'aller aux toilettes, de faire à manger, enfin bref, de faire tout ce que tu veux. Que c'était pas chargé. Ça y est, déjà 15 h. Ah, j'aurais dû l'acheter plus tôt, mais je réfléchissais en même temps. Mais ça, tu as besoin d'une nouvelle épée? Bah écoute, oui, j'ai besoin d'une nouvelle épée, mon brave, parce que là, je voudrais bien les... Ouais, mais c'est du niveau 5. 20-30. Oh, mais je peux l'acheter là. Plus vitesse, plus poids. Ah ouais, elle est très léger. Mais là, je gagne un point de défense en fait. Tu vois, avec la lame du Templier. Ah, je vais voir pour revendre mes trucs en fait. Et là, Slim. Oh, putain, tout ce qu'il faut faire. Là, c'est l'épée du Templier que j'ai pris. Mais je l'ai prise parce qu'en fait, là, t'as des points de défense, tu vois. Alors que... Ah, je peux peut-être prendre les wagonnets là, en fait, qui sont réparés hors service. Ok, vas-y, c'est bon. Le truc, il m'a mis un gros vent. Direct. 81. Oh, des champignons bleus! Mais ça, c'est magnifique! Vous savez pourquoi c'est magnifique? Parce qu'il m'en faut pour le centre communautaire. Et je bing! Allez, hop! Ça c'est fait. Alors on va refaire un peu l'inventaire là parce que j'ai besoin que ce soit là-haut. Entre ça, 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 ça. Alors ça, on va le mettre là.
Ouais, entre ma pioche et ça, comme ça, voilà. Ah oui, mais j'ai trop besoin, je te jure. Tu veux pas taper avec ta pioche? Du bois. Du quartz. Ah non, mais là c'est bon ça. L'échelle, t'es où? Parce que là, il est 16h quand même. Oh, on pourra pas aller laisse tomber quoi. Et j'ai eu une essence solaire. Un totem de téléporte. Hein? Du quoi là? Vous téléporte directement à la maison. Disparaît après son utilisation. Oh, trop de la balle, allez, vas-y. Alors, j'ai envie de voir s'il n'y a pas des minerais là. Tout à l'heure il y en avait, alors après maintenant ça change. Hein. Ouais, non, il n'y en a pas. Il y a l'homme en noir. Je sais pas ce que c'est, l'homme en noir. Bon, là en gros, c'est à peu près le niveau où on était arrivé tout à l'heure. Ah, je les pète plus facilement. Hein. À l'aise là même. L'attends moi la chauve-souris là si elle veut. Oh tout le minerai, mais ça c'est bon ça, Jean-Luc. Jean-Luc, c'est trop bon. Un rubis, ben oui, vas-y, je veux. Je t'attends, Satanas. Alors viens. Oh genre elle m'a touché? C'était pas prévu comme ça au programme. Et comme je l'ai dit, hein, si je peux choper du minerai, de la pierre, tout ça, je dis pas non. Ouais, mais maintenant, moi ce que je voudrais c'est... C'est bon, c'est ça. Allez. Pourquoi cette petite musique bizarre? Il nous reste... Oh bah... Voilà, 85, on repart chez soi. Bah, c'est ce que je voulais, hein. Je voulais pas trop... Alors l'épée, elle est trop chouette. L'épée est trop badass, trop chouette. J'adore. Donc voilà, on a encore fait 5 niveaux dans la mine. J'ai eu peur au début parce que c'est vrai, je me dis putain, si ça se trouve, c'est pas l'épée qui va faire la différence, mais bel et bien bah, le stuff ou quoi à trouver, tu vois. Mais non. Ça va. En tout cas, le rubis, c'est quoi le rubis finalement? C'est Gunter. Bah oui, bah voilà, de toute façon, tout passe par lui. Il me vole tous mes rubis, ce con. Et le champignon. Ah bah le champignon, on va aller le mettre tout de suite. Hein. On est à côté, autant en profiter. Alors je sais plus où. Clairement, je sais plus où. Là, ça va être la laine, mais voilà, pour l'instant, c'est mort. Champignons, voilà. Et on a fini ça. C'est pas beau, ça? Une collecte terminée. Réparation du pont? Lequel pont? Non, c'est ça, là. Ah, qu'est-ce qui se passe? On va peut-être me le montrer, non? Nous sommes les Junimos, gardiens de la forêt. Waouh! C'est tout beau!
On peut s'asseoir, c'est trop stylé. Ah! Mais pourquoi ça a passé? C'est tout? Il y avait autre chose à dire ou pas? Toi, tu veux donner... C'est quoi ça? Du coup, si j'ai bien tout compris, j'ai terminé un bon petit truc là, non? Alors, attendez. Récompense serre. Paquet. Bah là, c'est le quartz rouge qui me manque, hein, puis j'aurais fini ça. Cinq mille, 25, 10 000. Amitié. Ça, c'est nouveau, ça? Panneau d'affichage. Ah oui, c'est les trucs là que... Oui, c'est pas si nouveau que ça, mais... Ah bah, ils en redemandent un. Ah bah, ça, c'est fortichement bien. Pourquoi c'est pas ça? Bah si. Mais c'est qu'il faut que je le trouve, c'est dans mon panneau d'affichage. D'accord, c'est celui-là de droite. Cellier. Rocher scintillant. C'est ça, le panneau d'affichage. C'est que je pouvais pas le mettre parce que j'étais pas au truc. Qu'est-ce qui se passe? Ne faites pas des peurs comme ça. Est-ce qu'il y a eu un flash? Voilà. Oh, une géode gelée qu'il faut! Je les avais! Oh! Donc là, c'est l'amitié plus. Bah, je l'ai déjà donné, en fait, la géode gelée, ça va. J'ai eu peur pour rien. Ok. Bah, ça marche. Ça marche très très bien, même. My Führer. Non, mais c'est vraiment pas mal. Ça, ce sera des trucs, de toute façon, de printemps. Récolte de qualité qu'on essaiera d'avoir. Hein. Parquet du chef. Alors là, oui, par contre, là, il nous faut un peu de tout. Là aussi. Là, il me manque juste un poisson. C'est un chevesne. Et là, la bouteille de vin. Avec la résine de chêne. Et une grenade. Je crois qu'en plus, j'en avais déjà eu une grenade. La pomme, donc mon pommier est mis. Donc, je suis en attente. J'en ai une de pomme. Là, bah, ça va venir quand ça viendra. L'aquarium, par contre, c'est là où j'ai vraiment beaucoup de choses à avoir, en fait. Parce que je pratique pas vraiment pas la pêche. Et du coup, c'est un tort que j'ai. Mais vous inquiétez pas, on va s'y mettre. C'est juste, je pense que je suis un petit peu trop concentré sur la mine, en fait, actuelle. Et je pense que j'ai raison dans un sens. Parce que là, tous les paquets d'or qu'on a... Bah, vous avez vu, on a eu 14 minerais. D'or, donc moi franchement je suis trop content. Voilà. Oh ben alors les retardataires là, allez hop, hein, faut rentrer à la maison. Donc le téléporteur, on va essayer de le garder pour une journée spéciale où on commencerait du matin, tu sais, à la mine, et puis jusqu'à la fin, on essaierait de faire les 35 derniers niveaux, parce que oui, maintenant il nous en reste 35, logiquement. Bien sûr, ce n'est pas la mine finale, hein, évidemment, ce serait trop facile. Mayonnaise et tout. Donc là, on va essayer de faire un peu de vente. Du coup, les champipi bleus, j'en ai plus trop besoin. Donc ça, je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Le quartz, on garde, je vends, je vends. Ça, on va garder la récompense d'automne parce que vous avez vu, ça remet de la santé et de l'énergie. Et ça, par contre, je veux le garder. Voilà. Voilà, champignons. Ça, je vais les garder. C'est des trucs... Il y a des trucs que je vais garder pour l'instant. Parce que je ne sais pas, j'ai des doutes. Genre sur les champignons. Ça aussi. Ça, je vais mettre là. Les graines, voilà. L'essence solaire. Alors là, j'en ai. Hein, de l'essence solaire, ça. Le minerai. Minerai là, le topaze. Le quartz. On va ranger le bois. Maintenant. Oui, c'était là, le bois. Le petit bois comme ça, ça. Et voilà, on va aller faire le dodo. La femme, elle dort à côté, mais non. Ah, bah c'était une journée bien remplie. Voilà, c'est ce pont-là qui se répare. Donc c'est celui-là à côté de la guilde. Ah, intéressant. Niveau 8 en cueillette. Une compétence plus 1, compétence de hache plus 1. Récolte de baies sauvages, nouvelle recette de fabrication, totem de téléportation. Ah, ça fait zizi. Yeah.
Ah, une belle progression. Là, moi, j'aime bien. Quand c'est comme ça, c'est bon, ça. D'ailleurs, c'est le plan, alors. Du coup, pour faire les totems de téléportation, il faut quoi? On en a différents. On a le totem de téléportation à la ferme, montagne ou mer. D'accord. Donc, il faut du corail, du miel, des fibres. Enfin, il faut un peu de tout, quoi, au final. Mais en tout cas, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à la prochaine pour la suite et portez-vous bien. Bye bye!